théâtre plein est grave. Très très grave. Des éléments très étranges ont été répertoriés au village de la Chaux du Milieu. Très très étrange. Des dinosaures auraient été vus, mesdames et messieurs. Nous n'avons encore aucune idée pour laquelle des dinosaures auraient pu réapparaître parmi nous, mais si, c'est à cause de l'expérience... Aucune idée, comme je le disais précédemment. Aucune idée, non, on ne sait rien d'ailleurs. Merci, cher collègue. Pas de soucis, cher collègue. Ami même. Oui, collègue. Donc, permettez-nous simplement de vous présenter une petite diapositive pour vous expliquer de quoi il s'agit. Quoi il s'agit. Disparition de petits animaux et de bétail. Dégâts matériels importants. Important. Traces étranges. Sons en provenance de la forêt. Témoignages d'habitants traumatisés. Plusieurs dinosaures auraient pu être aperçus, tels que le tricératops, le brachiosaur, le dilophosaur, le vélociraptor et le tyrannosaurus rex. Merci pour votre attention. Thank you.
Bonjour à vous. Bonjour à vous tous, à nous et à vous. Et oh, bonsoir. Vous avez besoin, nous avons besoin de vous pour vous. Vous a, non. Oh. Vous avez besoin de pour nous. Nous avons besoin de vous pour participer à une aventure hors du commun. Que dis-je, hors du temps. Que dis-je, hors de tout ce qui est possible d'imaginer dans ses plus beaux rêves et dans ses pires cauchemars. Vous avez bien suivi la présentation concernant les dinosaures qui seraient en train d'élire domicile dans le paisible village de la Chaux-des-Milieux. En plus, c'est super pas rigolo tout ça, quoi. Oh là là. Oui, effectivement. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de vous. Moi? Mais j'en trouve, on n'avait pas dit ça. On avait dit qu'on utiliserait des aventuriers, mais des aventuriers... Ah, mais non, pas des aventuriers. Enfin, oui, je me tais. Donc, comme je le disais, nous avons besoin de vous. Oui, vous qui êtes dans votre canapé à nous regarder. Inscrivez-vous et venez sauver le village de la Chaux-des-Milieux en participant à cette aventure hors du commun. Ouais! Thank you.
maintenant les aventuriers que nous avons sélectionnés. Exactement. Accueillons dès maintenant... Nelly, notre aventurière en chef. Bonjour à tous, je m'appelle Nelly et je suis hyper contente d'avoir été sélectionnée. Si je suis ici, c'est grâce à mon sens de l'aventure et du risque. Vous pouvez compter sur moi. Les dinosaures, c'est ma passion. J'ai d'ailleurs répertorié plus de 2000 espèces potentielles qui pourraient s'y trouver dans les bois de la chaux du milieu. J'ai moi-même été témoin de phénomènes qui me laissent croire que mes théories sont justes. Merci Nelly. Nous passons à présent à notre deuxième participant qui se nomme... Steve. Steve, c'est moi. Steve Jubi. Sachez bien que je suis là pour nos très très chers dinosaures. L'argent, je déteste ça. J'ai horreur de ça. Les contrefaçons de cuir en dino. Y a rien de pire. Moi, je suis un gentil, moi. Oh, oh mais salut beauté, ça va? Vous habitez encore chez vos parents? Peu importe. Ouais. Je suis très content de faire cette aventure avec vous, la plus belle des plantes. Merci, Steve. La prochaine personne que nous accueillons est... C'est Samuel. Bienvenue, Samuel! Bonjour, moi, c'est Samuel. J'ai une expérience dans la vente. Non, des dinos, j'aime bien ça. Et Surprenant ce nouvel aventurier, merci. Vous pouvez rejoindre les autres. C'est au tour de Stella de venir se présenter. Salut la commu, salut JT, salut Justine. Un petit sourire pour la caméra. À la recherche des dinosaures. Je vais tout vous vloguer et vous pourrez trouver toutes nos aventures tous les jours à 17h. Je suis vraiment trop contente. J'adore les dinosaures. C'est trop kawaii. Trop kawaii. Voilà, voilà. Sans plus tarder, Albert. Bonjour. Moi, c'est Albertine. J'ai un QI beaucoup plus élevé que les autres. Quoi? Je serai bien évidemment le cerveau de cette équipe de l'arbre. J'ai pris avec moi une boussole et un livre explicatif sur les dinosaures. Grâce à ces outils et à mon talent naturel, je serai la clé pour trouver ces dinosaures. Nous n'en doutons pas. Pas. Merci à tous pour cette présentation. Nous nous réjouissons de collaborer avec vous.
messieurs, nous allons commencer par vous présenter en quelques mots et images le milieu dans lequel nous allons étudier. Ma partie préférée, c'est l'endroit où nous dormons, parce que c'est là qu'on peut se refaire beau pour la journée. Situé au beau milieu du village, c'est l'air brodé du soleil. Ensuite, on a la cuisine, l'endroit où on reprend des forces pour aller chasser, observer les dinosaures. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'adore les dinosaures? Ah, parce que je les adore. Si jamais il n'y a pas tout ce qu'on veut à la cuisine, on peut se rendre à l'épicerie du coin. Malheureusement, on n'y vend pas de couteau. Enfin, non, enfin, qu'est-ce que j'en ferais? Je n'en veux aucun mal à ces chers dinos. Pour moi, l'endroit le plus utile, le terrain de foot. Pour rester entraîné, il faut de la force pour ce genre d'aventure. Moi, j'adore la chantilly, personnellement. Mais le plus important, c'est évidemment la forêt, que mes camarades n'ont pas encore parlé pour des raisons évidentes de cuire un faible romien. Nous allons vous résumer, je vais vous résumer en quelques images et audio ce qu'on a découvert. Évitez tout ce qui est lumière, dans tous les cas. J'ai couteau suisse. Vous pouvez noter ça. Alors, tu peux laisser ton couteau suisse. Donc, on va sortir. Vous me suivez sans faire de bruit. Vous restez derrière moi. Vous regardez bien autour de vous. On ne sait jamais. Et puis, attentif aussi à ce qu'on entend. D'accord. Donc, c'est ici qu'il semblerait qu'il y ait eu des bruits. Bien attention, vous marchez. Écoutez bien. On court! On court! Go, 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 go! Dépêchez-vous! C'est la merde! Ah, je suis désolé au propriétaire de cette voiture, j'ai complètement dégueulassé l'intérieur! Thank you.
la rencontre de quelques témoins qui ont vu ou non de véritables preuves de la présence de dinosaures. Kawaii! Bonjour madame. Présentez-vous en quelques mots. Oh mais quel charisme! Oh pardon. Alors salut, moi c'est Nathalie, mais bon, on m'appelle Nat, hein, pas de chichi, peace and love. Très bien, enchantée Nathalie. Avez-vous vu quelques dinosaures ou de moins des traces de dinosaures? Alors moi je me promenais avec mon van life, peace and love quoi. Quand je suis arrivée nez à nez avec un brachiosaure, alors que j'écoutais ma reggae, man life, peace and love quoi. Donc je me suis dit, Nat, chillax un max, et je lui ai dit, hey, mon frère, moi aussi je suis veggie, il n'y a pas de lézard, peace and love quoi. Du coup il m'a checké et j'ai continué ma route. Expérience sans sas, peace and love quoi, chillax un max, all soul the wolf quoi. D'accord, comme vous avez dit. Ces paroles sont comme de la musique à mes oreilles. Vous la trouvez pas extraordinaire? Non? Et vous alors, comment vous appelez-vous? Avez-vous quelque chose, vous vu quelque chose concernant les dinosaures? Alors, je vais directement remettre l'église au milieu du village. Il n'y a aucun dinosaure à la chaudue, quoi. En fait, il n'y a rien. Il n'y a même pas un loup. C'est des conneries, tous ces machins. J'arrête. Alors, vous allez arrêter de me dire qu'en fait, il y a des dinosaures, quoi. Sinon, moi, c'est Didier. Je suis agriculteur à la chaudue du milieu. Et puis, si je me trouve une petite femme, elle pourra m'appeler Didi, mais voilà, Didi, c'est le surnom que donnait ma maman. Et vous n'avez pas eu de disparition de salade ou de bétail, par hasard? Oh si, il y a Janine qui est partie il y a 3 jours. C'est ma vache, voyez, j'entends. Mais bon, elle est comme toutes les femmes, elles partent quelque temps et puis elles vont bien revenir, quoi. Elles ne peuvent pas résister à mon charme rural. Voilà, oui, c'est ça, ça marche. Saut 1912. Trop cringe. Tu es cringe, Didier. Vous mettez de l'engrais sur vos pâquerettes? Bon, et vous alors? Quoi, comment? Nouf, Marlène, nouf. Moi, j'adore tout ce qui est nature. Mais hier, en me promenant dans la forêt, j'ai vu un phénomène encore jamais observé par l'homme ou la femme ou les deux. Ah oui? Vous avez vu un dinosaure? Une trace? Un os? Accrochez-vous, mesdames et messieurs, aujourd'hui, un jour exceptionnel qui restera gravé dans l'esprit de tous et de toutes. J'ai vu un écureuil manger des noisettes! Il a mangé des noisettes! Mais c'est incroyable! Il a mangé des noisettes! Très bien. Nous sommes à la fin des témoignages. Je commence à y voir un petit peu plus clair. Venez à moi sur vous.
avons, enfin, j'ai élaboré une stratégie pour en avoir un. C'est pas des moindres, hein, chérie. Mais grave, en fait, c'est qu'on a trouvé des trucs trop chelous cette semaine. Du coup, avec tout ça, bah, on a trouvé un. Exactement, voyez plutôt. Du venin de dilophosaure. Une crotte de dinosaure. Bon, je suis en exploration. Il n'y avait pas des lames qui voulaient venir. On n'a même pas eu le temps d'acheter des glaces, trop la honte. Excellent. Où l'avez-vous mis? Non mais attendez, parce qu'il y a un truc trop chelou avec ce dinosaure. Il n'a pas l'air naturel. Ah, mais ça c'est parce qu'on l'a génique nous crée en fait. Quoi? Quoi? Il rigole. Du coup, où se trouve ce petit dinosaure? Juste à côté, dans la grange chez Georgette. Très bien. Très bien. Bon, et bien voilà, je vais me reposer en attendant demain. Oui, bonne idée, reposer. Trop fort.
quel argent? Il est en liberté. On l'a pas vendu. Vendre? Non. Mais non. Vite. Vite. On va aller sauver. Il est en liberté, tu vas. C'est une bande de jeunes motivés à faire de la musique, c'est vrai, mais pas que. Ils sont parfois plus motivés à faire du foot que de la musique. Toute l'énergie qui les animait à l'extérieur avait parfois de la peine à passer les portes de la salle de répète. Bon, c'est un peu normal avec le beau temps qu'ils faisaient, on va les pardonner. Le camp, en plus du sport, c'est aussi du théâtre, vous avez pu le constater. Des jeux style escape room où ils peuvent s'éclater, enfin où les monos s'éclatent surtout. Des expéditions forêt où les dinosaures étaient à l'affût, une journée de piscine, la fameuse disco, bref, on n'y fait pas que de la musique, on s'y fait aussi des amis. Au final, c'est une semaine où les grands comme les petits apprennent à vivre ensemble et à s'entraider. C'est aussi un staff cuisine avec un staff refait à neuf. Cédric, le cuistot, qui mène à la baguette son équipe de cotinières avec Emmanuel et Gaël. Tels que la Loterie Romande, Sononico ainsi que la commune de Val-de-Jeu.
Et pour terminer, comme l'année passée, j'ai une demande très particulière à faire à vous les parents. Je sais qu'en partant, vous n'oublierez pas la collecte, mais par contre, par pitié, n'oubliez pas vos enfants. Les vacances sont finies pour vous. Chez nous, ça commence. Bonne fin d'après-midi et puis à bientôt. À l'année prochaine.